Salut les gars, c'est l'œuf et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc la suite du rush du combat 8. Donc je suis entré dans le top 5K, voilà, je farm quelques points. Donc maintenant il va falloir maintenir ce top 5K. Donc toujours la même team. Je vous propose de commencer tout de suite, d'entrer dans le vif du sujet. Donc on est parti, voilà, on va faire 3 games je pense. Histoire de partager un peu avec vous l'avancement de ce rush qui est en train clairement de me mettre dedans pour le rush top 1 Vista, mais bon, c'est pas grave, je vais continuer mon rush top 1 Vista. Vous aurez la vidéo très certainement après-demain, peut-être. Je vous avoue que j'ai plusieurs vidéos de prévues, mais leur ordre de sortie est pas encore totalement clair dans ma tête. Mais bref, vous allez avoir minimum une vidéo Rush Top 1 Vista, peut-être deux. Ok, let's go. Bon, en face, triple Shanks. Nous, triple Zoro. Un Claw contre une Big Mom, donc ça va être le duel. On va les laisser tranquilles. Alors. Ok, très bien, il nous a tous tapé. Wow. On doit avoir pris la minute cadrée. Heureusement, j'ai du bol, ça c'est bien chance dans le tas. Bon, par contre, j'ai déjà plus de vie. Donc. Là. Attendez, on s'écarte un peu, très bon, il reste un Claw. Vas-y Claw, tu veux me taper? Il n'y a pas de problème. Très bien, il a fait. Je sais pas comment. Vraiment pas comment le Kaido, il m'a pas touché avec sa compétence. Oh le Claw. Ah. Ah, on a Claw contre Claw maintenant. Wow. Par contre, il a 4-4 points. 4-4 points, c'est vraiment lui qu'il faut focus. Chance. Laisse-moi la stack, s'il te plaît. Merci. Merci beaucoup, mon ref. Un objectif. Genre, ça a cancel ma compétence. Wow. Non! Il est protégé, c'est pas possible. Bon du coup, petit rush, je vous l'avais dit, voilà, je comptais viser à peine 5K, si j'étais chaud 1K. Bon bah du coup ça sera 5K, hein, écoutez, hein, pas mal de trucs à faire en ce moment. Ok, let's go, on respawn. Donc petit... Oh j'ai mis click, je voulais faire l'esquive. Oh non. Bon, cette game est infernale par contre, il y a des chances. Non, genre ça... J'étais droit sur le Claw, ça n'a pas ciblé. Bon, c'est la game de l'enfer pour moi, clairement. Mais laissez-moi vivre. Laissez-moi le droit de bouger. Tiens, chante. Je suis en vie. Ok, j'ai eu le Claw. Enfin. Alors, Outa, t'as fait une connerie. Non mais c'est quoi ce ciblage par contre? Ah, mais... Bon, cette game est un peu catastrophique, je vous le concède. Il reste 20 secondes. Bon. J'aurais aimé... Oh, si. Choutou. Ok, j'ai shooté, très bien, non, c'est mort, c'est mort. Bon. La game était un peu chaotique, et après on va voir ce qu'on a fait concrètement. Hein. On a fait quelques KO je crois, mais pas comme j'aurais voulu. On a fait 4 KO, j'ai rien dit, on a été le meilleur de notre équipe carrément. Enfin on a rapporté le plus de points. Il y a vraiment un 0-0 dans l'équipe qui a gagné. Wow, le clochon, il a tellement carry.
Bon bah écoutez, on se retrouve pour la prochaine game. Ok, on se retrouve pour la deuxième game. Écoutez, là je suis certain d'avoir un changement de couleur avec Zoro si on me tape, donc on va tenter, sachant qu'il y a deux def, donc pour ulti, c'est pas optimal comme condition. Ok. Ok, on est avec trois chances. Il y a du bleu, il y a du vert. En face, il n'y a que du bleu et du rouge. Voilà, c'est parfait. En plus, je crois qu'on peut retirer l'effet du Jaws. Je ne me souviens plus comment, je vous avoue, avec ce personnage. Mais je sais que je peux retirer son petit effet diamant. Et là, bah, on rigole moins. Allez. Attention, on risque de faire un Ashura par derrière. Ok, j'ose. Non, on en parlait. Voilà, claque-ton. Je me fais agresser de partout, c'est génial. Bon, j'ose a plus de contre et on m'a volé mon kill, mais on se fiche. Shanks qui te fiche de moi. Vas-y, tape. Shanks qui est vraiment en train de gâcher mes deux spé. Hein. C'est... Je vais mourir à cause de mon mate. Sérieusement? Bon, attendez. Hop, voilà, on va taper dans le tas. Ça, c'est fait. Je suis mort. Je suis mort, je suis mort. J'aurais pu faire deux kills si mon mate ne me les avait pas volés. Enfin, mes mates. Ok, on va stack du coup sur le... Je me suis fait taper, c'est génial, je n'ai pas stack. Ouah, je fais... J'ai pas de réussite dans cette game. Ah, ok, un kill. Bon, par contre, au moins les mates gèrent. Donc, je les pardonne. Désolé. Je n'ai pas fait exprès. Ok, on tape le zoo. Porter des attaques. Oula, le fil. Je me fais focus, yes. Alors, c'est pas une très bonne idée. Ah, ok. Mon... Le mec Femina vient de me répondre. Très bien. On va faire comme si vous n'aviez rien vu. D'ailleurs, toujours big up à lui, hein. Énorme big up, vraiment il carry. C'était mes Minia depuis récemment là. Allez, on tue en coque. Non, non, oui, non. Non, arrêtez de me poursuivre. Arrêtez de me poursuivre. Oh. Allez, mes mates, oh, tuez Akainu, pitié, 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 boule. Allez, si les mates gèrent, Akainu meurt, c'est win. Ok, 2 KO. Non, bah, bon, bah, GG aux adversaires. Dommage, dommage, dommage. Bon, je vous retrouve pour la... Troisième game. Ah, attendez, juste d'abord, combien de KO? 4. On est régulier, c'est bien. Direction la troisième game. Ok, on se retrouve pour la dernière game. On va start avec l'outil. Hein. Il y a pas mal d'attaquants en face quand même. Après, niveau couleur, c'est vrai que c'est plutôt pas mal pour du Zoro. Bon, je vais essayer de proposer. Une game correcte. Ok, let's go. Ah, ça, le Clo et le Brook vont poser problème. Le Luffy et le Roger, on peut stack dessus, mais ils peuvent sûrement me one-shot, donc
D'ailleurs, je te vois, Luffy, hein. Je vois que t'es derrière. Ok, on tape dans le tas. Voilà, donc là, on est sur une réussite. Là, on a stack. On a kill Roger. Ok. Ok, ok. On fonce dans le tas. Ok, on protège le mate. Voilà, on a fait gagner un peu de temps. Enfin, j'espère. On tempo le retour de la compétence. Je te vois. Ok, on va refoncer dans le tas. Dommage pour toi. Non. Ah ok, il se régène à cause... J'avais oublié que le Brook il avait une régène quand il gelait les ennemis. Ah. Le Zoro qui vient de faire un petit bracos. Ok, donc j'ai peut-être tué le Luffy. Désolé les mates. Ok, on fonce dans le tas. Oula. Esquive parfaite qui arrive. Oh là. Oh non, il m'a gelé. Hein? Il m'a gelé, mais l'autre il a 2 HP. Achevez-le. Bien joué. Non. Je vais mourir. Je suis en vie, miraculeusement. Tiens, tiens, tiens. Je lui fais 0 dégâts, c'est génial. L'invincibilité qui vient sûrement de me sauver la vie. Non, pas le Brook. Ok, ce fantôme qui a fait n'importe quoi. Non, mais il a encore gelé quelqu'un. Arrête d'autorégène, Brook. Ouais, et puis là, je lui frôle. Bon, Brook est le match-up de la game à abandonner. Après, c'est lui qui est à 5K, donc c'est lui qui faut kill. Ça va être compliqué cette game. Hein. Ça va être vraiment, vraiment chaud. Oh, Roger. Oh, tu viens de faire l'erreur. Oh, l'esquive parfaite qui arrive. Non. Non, quelqu'un l'a mis à terre alors que j'arrivais full stack. Bon, égalité malheureusement. Je sais pas qui a égalisé. Enfin bon, on gagne toujours plus de points que sur une défaite. Remarque. Bon, sur ce, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker. Laissez un commentaire si vous avez un truc à dire et vous abonner et partager la vidéo pour soutenir. C'était MonkeyDLuff, je vous dis à la prochaine. Bye.